Bordeaux 19e reçoit Nice 5e. Les Bordelais ont encore une chance de se sauver. Pour cela, il faudrait gagner contre Nice. Un point sur les trois derniers matchs pour les Girondins qui vont être emmenés dans ce match par Adli, Dilrosun, Niang et Wang. Nice de son côté n'a réussi que 2 victoires sur les 7 derniers matchs. Nice croit toujours obtenir une place en Coupe d'Europe. Pour cela, il faudrait aussi gagner le match. Kluivert, Boudaoui, Delors et Dolberg sont titulaires. Ballon récupéré par les Niçois. Sauvetage in extremis de Mensah sur la ligne. Le ballon bien récupéré par les Aiglons. Kasper Dolberg à la frappe. Et Mensah sauve alors que Costil, de retour comme titulaire dans le but des Girondins, est débattu. Nouvelle relance difficile pour Bordeaux. Ballon récupéré par les Niçois. Le centre et la reprise d'Andy Delors, contrée par la défense. Ça chauffe dans la surface de réparation bordelaise. Mais ça ne passe pas. Cette fois-ci, Joshua Kilavogui a empêché le ballon de passer. Le score est donc de 0 à 0 à la mi-temps. Nice avait facilement disposé de Bordeaux plus tôt dans la saison sur son terrain. 4 à 0 pour les Aiglons. Cette fois-ci, personne ne parvient à marquer. Nice reste tout de même l'équipe qui a le plus d'initiative. Une de plus ici avec ce tir contré. Le ballon récupéré avec ce centre. Ça vient très vite devant le but. Et Melvin Barr ne trouve pas la solution. Une chance de plus sur corner pour les Aiglons. La remise de la tête et la belle parade de Benoît Costil sur cette tête de Khéphren Thuram. Tant bien que mal, Bordeaux reste dans le match. Les Girondins sont dominés et un but peut leur suffire à gagner le match. Pour cela, il faudrait se projeter en attaque. Les joueurs de David Guillon n'y parviennent pas. Nice continue à attaquer. Le ballon dans la surface, dévié par Lacou. Ça revient sur Andy Delors. 1-0 pour Nice à la 74e minute. Les Aiglons ont été patients pour marquer ce but très important. C'est le 11e de la saison pour Andy Delors. Aidé de manière bien involontaire par Tom Lacou. Il est le dernier à toucher le ballon. Delors n'est pas en jeu et profite de l'aubaine pour marquer un but très important. Bordeaux fait tout pour égaliser. La contre-attaque pour Nice. Bilal Brahimi est lancé à pleine vitesse. Brahimi trouve en retrait Lotomba. Lotomba à Delors tout seul de l'autre côté. Il ne le sert pas, le poteau pour Lotomba. Puis Brahimi au-dessus. Quelle chance immense de 2-0 pour l'OGC Nice. Pas de but supplémentaire dans cette rencontre. Ça ne change rien à la victoire niçoise. Succès de Nice. 1-0 sur le terrain de Bordeaux.